Bonjour, je suis Madeleine, je suis votre voyante, votre médium, votre guérisseuse et votre hypnothérapeute. Nous allons regarder ensemble comment votre séance va se dérouler avec moi. Et pour ceci, je vous invite donc à aller sur mon site aimki.com et de prendre un rendez-vous. Une fois ce rendez-vous effectué, nous allons nous retrouver dans ce même cadre, ce cadre professionnel, ce cadre bienveillant, de non-jugement et confidentiel. Toutes mes séances sont enregistrées. Vous conserverez une copie et j'en ferai de même. Une séance peut varier de 45 minutes environ à 60 minutes. Elles sont personnalisées et donc cela peut changer au cas par cas. Ce qui ne changera que très rarement ou voire jamais, c'est de moi commencer par mon code éthique, professionnelle et je dirais même de vie, c'est la responsabilité personnelle. Je vous expliquerai et vous rappellerai en quelques mots que vous êtes responsable en tout temps de voir ce qui résonne en vous ou pas, ce que vous souhaitez accepter ou pas et qui a été mis sur table durant notre séance. Admettons que vous avez sélectionné 3 services pour notre rendez-vous. Lecture de l'aura, voyance, médiumnité. En quelques mots, de quoi s'agit-il? La lecture de l'aura, c'est moi qui vais regarder à travers mon troisième œil et lire votre histoire physique, spirituelle, mentale, depuis le jour de votre conception jusqu'à ce jour. Et regardez un petit peu ce qu'elle va me raconter à votre sujet. Nous allons également voir le côté de la vie de tous les jours, le côté matériel. Et nous allons l'adresser grâce à la voyance, grâce à la lecture des tarots. Savoir comment vont vos relations humaines, comment va votre vie professionnelle, où vont se dérouler vos prochaines vacances. Ce sont juste quelques petits exemples et je sais que vous voyez exactement de quoi je vous parle. Maintenant, qu'est-ce donc la médiumnité? La médiumnité, c'est la connexion avec ces personnes que nous aimons tant et qui sont passées dans l'autre monde. Ces personnes qui viendront témoigner d'une façon douce et aimante et qui vont vous expliquer et vous transmettre les mémoires que vous avez en commun. Tout simplement, elles seront là pour vous rassurer que la vie et l'amour ne meurent jamais. Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer et d'ici là, choisissez attentivement vos pensées, vos actions, et avec qui vous souhaitez partager votre temps sur cette terre si précieuse. À bientôt.